C'est la première fois que je me fais surprendre. Là les gars, faut pas se laisser endormir. Hein. À toi, moi. En deuxième mi-temps, on va aller chercher. On dirait comme avec Ad. Il me laisse croire. Par contre, gardien. Ah, gardien, il aurait pu. Ah, c'est quoi cette passe? Thank you.
Attention, intercept, interception. Non, mais c'était quoi ça? Soutien pour l'aider. Tu feras pour lancer Barcelone. Avec 10 heures premium plus. Promis, vous ne m'entendrez plus. Excellente interception, bien joué. Et sur la bannière, on profite de la bannière. Ah oui, c'est le face à face avec le gardien. Et c'est Rodriguez. Allez, voilà! C'est parti. Est-ce qu'on va trouver un adversaire? Ah, c'est bon, mon gars, on a trouvé un adversaire. Let's go. Wow. Ah, Neymar est chaud. Yes. Ah, y a moyen que je galère pas. Allez, let's go. Yeah. J'ai dit... Oh. Voilà. J'avais oublié qu'il y avait des adversaires face à mais ils connaissent pas. Je suis facile, je suis plus à l'aise. Je suis favori. Ah, dommage. Passe à Ronaldo. Messi face à Ronaldo. Hein. Et là, c'est avec Franck Sauzet et Hervé Matou. Hein. Oh, Karim Bale qui va centrer.
Et la défense, elle est toujours là, toujours vigilante. Ah oui. Ça c'est une chatte que j'ai sur Kfarsaz. J'ai toujours eu de la chatte en Skafrayon. Ah, je suis à faute un moment. Ah, Jesús Navas. À la télé, les insertions des outils. Ah, Jesús Navas, toujours. Eh, GG. J'ai plus à vous. J'avais vu que sur face à l'adversaire, ça veut rien dire. Hein. Et ils se battent quand même. Yes. Yes! Putain! 1-0. 1-0. J'avais dit quoi? Sur face, c'est moi le boss. Ah, c'est plus la même histoire. Là, je prépare mon entraînement psychologique. L'arbitre qui fait signe. Le joueur du Barça qui est sanctionné. Allez, Ronaldo qui va. Évidemment. Ronaldo qui passe plus près de la cage quand même. C'est un peu dangereux et le gardien pour respirer. Non ! L'erreur ! L'erreur ! Le gardien repousse. Oh, ça peut revenir. La frappe de Cristiano Ronaldo. Oh, ça fait but. Ah. Le but de l'égalisation. Pendant que les joueurs fêtent le but, on va tranquillement revoir l'action au ralenti. Cette action rentre bien, qui peut jouer tous les coups à fond. Il y a bien. Tout est à refaire, un but partout. Ouais, y'a faute, y'a faute, y'a faute. Quoi? Ah, quand même. Quoi? Ah, ça va être dans la tête, mon pote. Wow!
Attention, Ribéry. C'est parti. Ils ont le Bayern qui engage. Ok. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Et on découvre que l'entraîneur. Et Neymar la frappe. Ah, GG. Est-ce ce ballon qui traîne? Ah non, c'est quoi ça? La chevauchée de Neymar. Sans aucun problème pour le gardien de but. Putain, mais j'ai une connexion de merde. Thiago Alcantara. Kingsley Coman. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Les Blaugrana qui ont le ballon. Le gardien qui saute. GG Neuer. Ouais, parfait cette interception. Messi qui prend sa chance. Ah, GG. C'est bien, début match. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Ça, j'en ai connexion de merde. Ouais, bonne interception de Mascherano. Passe. Qui va affronter une belle équipe aujourd'hui. Ah, une équipe capable de lui résister, voire de lui poser. Attention, il n'y a plus que le gardien. Franck Ribéry. Dommage, dommage. Ah oui. Ribéry. Franck Ribéry. Pas le genre de joueur qui s'économise hein, sur un match. Non, ça, il court beaucoup, il décroche souvent. Enfin, il est quand même. L'arbitre qui doit intervenir. Ah. Allez, allez, allez. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Il va pouvoir lancer le contre. Alex. Merci. Ouais, c'est bien dosé. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, excellente interception, bien joué. Franck Ribéry, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Luis Suarez. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré, parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Xabi Alonso. Le Bayern et son fameux maillot rouge, l'un des maillots les plus identifiés du foot mondial. Oui, alors qu'au moment de sa création... Le Suarez la frappe, un ballon que Neuer capte bien. Les couleurs du Bayern, qui sont bien sûr aujourd'hui rouges, ça tout le monde le sait, mais qui ont pas mal évolué durant l'histoire du club. Donc le rouge... La frappe de Léo Messi. Ah non, cette occasion qui s'envole. Mais on reste sur un score de parité donc. Putain. Franck Ribéry. Et ce ballon qui est perdu. Andrés Iniesta. On s'approche du but. Messi qui prend sa chance. Un tir raté et pas qu'un peu. Iniesta qui vient récupérer ce ballon.
Thiago Alcantara. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, c'est le face-à-face avec le gardien. Ça sort, ce sera pour les Bavarois. Ouais, l'interception. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ouais, un bon ballon d'attaque. Interception d'Iniesta. Ouais, touche, très bonne intervention défensive. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Messi. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Suarez. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et personne à la retombée du ballon. Xabi Alonso. Encore une bonne passe. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Jordi Alba. Les Blaugrana qui ont le ballon. La bonne récupération de David Alaba. Kingsley Coman. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Messi. Busquets. Sergio Busquets, pur produit du centre de formation de Barcelone. Ouais, c'est un catalan, lui aussi passé par la Masia. De toute façon, je vais faire court. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Allez, peut-être une bonne occasion. Busquets. Luis Suarez. Ah, ce ballon qui est parti au-dessus de la transversale et qui est même parti dans les nuages. Le Bayern de Munich à l'attaque. Ballon intercepté sur cette passe de Gérard Piqué. La Ribéry. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Elle a dégagé au pied, mais sur un adversaire. Messi. Léo Messi, qui nous régale hein, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. On va faire court, Hervé. Hein. C'est le meilleur joueur du monde. Allez, le centre maintenant. Et la mi-temps 4. Aujourd'hui, FC Barcelone qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Thiago Alcantara. Franck Ribéry. Luis Suarez. Le ballon sera pour Piqué. Neymar. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose. Et Neymar la frappe. Pas de souci pour le gardien. Et encore un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Kingsley Coman. Et il était là, Gérard Piqué. La chevauchée de Neymar. Et ce ballon qui est récupéré.
Kingsley Coman. Oh, il passe. Ouais, le centre. Voilà, Neymar. Neymar dans ses œuvres, magnifique. On s'approche du but. Mais la frappe de Neymar. Dommage, hein, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Bien vu, Iniesta qui était bien placé. Attention à la frappe. Lewandowski. Luis Suarez. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le duel avec le gardien maintenant. Suarez. Ils avaient vraiment l'occasion de prendre l'avantage au score. Thiago Alcantara. Il n'a pas assez récupéré par Sergio Busquets. Attention, il a du champ devant lui. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Luis Suarez. Et c'est un but! Il passe devant au score! Ils sont récompensés de leur prise d'initiative. C'est bien, c'est logique. Ils ont pris plus de risques, ils se sont créés plus d'occasions, c'est normal. Il aura donc fallu attendre la deuxième période pour l'ouverture du score. Ça part bien, action dangereuse. Iniesta qui prend le meilleur sur son vis-à-vis. Luis Suarez. Non, sans problème pour le gardien. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Suarez. Luis Suarez, oh, but de Luis Suarez.